Parce qu'au-delà des discours et des interventions médiatiques qui ont tant marqué, l'abbé Pierre, c'est surtout le récit d'une vie. Une vie qu'il a voulu exemplaire. C'est complètement cohérent avec sa culture catholique. Hein. Chez les catholiques, on apprend et on admire la vie des saints. Pas leur discours, leur vie. C'est le parcours des saints, dans le monde et l'époque qu'ils habitent, qui est montré en exemple. Ce que l'abbé Pierre a voulu appliquer, c'est ça. De là où tu es, tâche d'avoir une vie qui s'approche le plus possible de celle du Christ, une vie d'amour, une vie tournée vers les autres. Aujourd'hui, on les voit plus beaucoup, mais oui, des cathos de gauche, il y en a toujours eu. Alors peut-être que ça en surprend certains dans notre public. Mais c'est vrai qu'à gauche, entre la gauche laïcarde, le matérialisme historique... Bon, les cathos de gauche, c'est sûr, c'est pas la famille dominante. Mais ça veut pas dire que vous en connaissez pas, hein. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Gaël Giraud, l'économiste. Par ailleurs, je suis également prêtre jésuite et je soutiens Blast. Voilà, il soutient Blast, donc il doit être un peu de gauche. Vous le savez peut-être, le camarade communiste Bernard Friot est également un catholique croyant. Et puis, peut-être que vous avez écouté sur YouTube les longs récits d'Henri Guillemin.